Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Être candidat dans commune urbaine après le règne du CNRD, c'est le souhait exprimé par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Mori Kondé, ce vendredi 13 octobre. Cette déclaration qui lui a valu des ovations des représentants des associations préfectorales a été faite lors de la réunion avec ces dernières sur la question d'une opération de révision des plans de développement local. Dans sa volonté de voir les anciens ministres instruits dans la gestion locale, le ministre lui-même s'est engagé à donner le bon exemple. Quelle que soit la fonction que je serai en train d'occuper en Guinée, je serai candidat pour être maire de la commune urbaine où je vis. Parce que pour moi, je ne verrai pas laisser les gens décider à ma place. C'est parce que l'élite a démissionné, les intellectuels ont démissionné, que ceux qui n'ont pas arrêté à l'école viennent prendre place à la tête de nos collectivités. C'est pourquoi nous voulons profiter de ces forums pour encourager les représentants à s'impliquer dans les actions développement à la base. Les autres pays l'ont fait, ils l'ont réussi, a-t-il déclaré avant d'ajouter. Partout au Sénégal, les 90% des maires que vous allez rencontrer vous diront « Moi, je suis un ancien directeur national du plan, je suis un ancien directeur général de telle structure. » Imaginez dans cette salle, si vous étiez autour de la table ici, si chacun par terre sait faire élire dans les prochaines élections comme maire, même un ministre ne va pas vous défrayer dans l'exercice de vos fonctions, mais c'est parce que les gens qui ne savent ni lire ni écrire, parfois même on leur fait signer tout le chéquier de la commune, dit le ministre de l'administration du territoire, pour répondre à la question des représentants afin de bannir l'analphabétisme dans la gestion de notre administration. Eh bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez à la chaîne. Partagez si vous la trouvez intéressante. À très bientôt.